Au cœur de ce vaste territoire sauvage, un récit complexe se dévoile, où la cohabitation entre l'homme et le loup est le fruit d'un débat passionné. Dans ces paysages majestueux, le loup règne en tant que prédateur emblématique, symbole d'une nature sauvage et indomptée. Pourtant, sa présence n'est pas sans susciter des controverses. La présence du loup, bah, c'est ça aussi, quoi. C'est en fait, on contraint nos animaux, tu vois, à rester à des endroits où ils n'ont pas forcément envie. Pour moi, le loup, dans mon quotidien, il est tout le temps avec moi, peut être là, il peut nous regarder. Je me suis également rapproché d'équipes dévouées à la protection de la nature. Leur engagement inébranlable témoigne de leur conviction profonde quant à la valeur de chaque espèce. Il va permettre de réguler les populations d'ongulés sauvages. Ouais. L'effet indirect, c'est que de par sa présence, ces populations d'ongulés sauvages, elles ne vont pas stagner sur un même territoire, elles vont se disperser. Ce qui va permettre à la fois aux forêts de se régénérer, refaire venir du coup des oiseaux, des insectes et d'autres espèces. Ouais. Et donc ça contribue à favoriser un écosystème entier. Dans les hauteurs majestueuses de la montagne, existe un royaume où la beauté et la rusticité se mêlent en une danse éternelle.